On m'appelle ici l'enceinte internationale. Hey. Tu comprends, non? J'enceinte les blanches, j'enceinte les noirs, les même les ngendous, j'enceinte. Allez, tu m'as donné la joie. Dis, j'ai aimé. Non, tu es faute. Tu comprends, non? Ah. Vous les filles, vous êtes comme ça. Vous êtes très faute, faute. Ça fait pas que tu es faite comme ça. Tu as aimé. Par contre, tu vas tourner les règles là, non? Ah, mauve. Ah. C'est comme s'il y avait chingom dans tes règles. Mmh. Il est déjà aimé. Ça faisait un an que je n'avais plus fait. Donc, quand on m'a appris jusqu'à. Je te dis. Ah, tu es une fille qui a avalé. Sans ce manque, comme tu as appris là, tu vas seulement me payer bien. Non, t'inquiète pas. C'est un gars sérieux. C'est un gars sérieux. Toi là, tu es avalé. Je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Je te dis. Ah, ça faisait un an que je n'avais plus encore fait. Je n'avais plus fait. Un an. Elle dit, j'avais le gang sur moi comme ça, le gang. Tu comprends? Ah bébé, allons à la maison. On part où à la maison? Ça veut dire quoi qu'on part à la maison? Donne-moi mon argent ici là, c'est comment? Tu pars à la maison avec qui? Tu es sérieux comment? Ça veut dire quoi qu'on part à la maison? Donne-moi mon argent ici là, c'est comment? Hé, hey. Est-ce que l'argent non, ok. Donne-moi mon argent, je vais partir. Attends. On sort de la bourse là. Attends quoi? Donc tu me vends le piment? Je vends pour le piment. Je vends pour le piment ou tu es venu pas par là-bas, je vends pour le piment. C'est quelle question, ça m'énerve pas là. Ah, il voit les choses. Dans le petit machin qu'on a fait là-bas, je vais te payer ça. Il m'a dit Dinka, ou moi Boblo, je te dis, ne me tente même pas. J'ai rencontré une fille comme ça, elle était très jolie, et j'ai appelé, j'ai dragué, je lui ai donné les ice anana, elle a bu mes ice anana. Maintenant, pour me récompenser, je me disais que c'était le vite fait. Je suis une fille et tombe très sauvage, donc ne blague pas avec moi, donne-moi mon argent parce que tu vas déjà augmenter ma colère. Ne blague pas, donne-moi mon argent, je vais partir, mieux le toi tu as donné les haches. Les haches, c'est là, je ne t'ai pas demandé. Tu m'as donné, je ne t'ai même pas demandé. Ha. Tu penses que quoi, ok? Pas possible. Donc tu viens seulement comme ça, tu viens de blague, ping, les choses que j'entends souvent ici là. Qui? Tu vas payer. C'est quand tu viens de coyer là-bas, donne-moi mon argent, je mais pas. Je te considère comme ma copine, non, je paye copine, là, ma copine. Hey. Copine, où tu es venue me ramasser là-bas? Hein? Attends. Ne m'énerve pas, là. Ne m'énerve pas. Attends. Parce que ma collègue là, vous voyez, ne m'énerve pas, ne m'appelle pas. Donne-moi mon argent, je pars. Ok. Tu te donnes ton argent par rapport à quoi? Par rapport à quoi, comment? Attends, donc le marché qu'on a fait là-bas, tu n'as pas aimé? Qui a aimé? Qui a aimé? Attends. Qui a aimé? Tu sais la bonne faire. Fais même là-bas, tu ne sais pas faire avec ton petit truc comme ça là. Tu ne sais même pas la bonne faire. Qui a aimé? Tu as aimé ça, je n'ai pas aimé. C'est ce que tu me dis. Oui. J'ai aimé ça. Attends. Où les haïs que tu faisais là-bas? Les huit bébés que tu disais là-bas? Donc pourquoi tu quittes vite sur moi? Laisse ça. Donne-moi mon aïe, va partir. Ah bon? Ok, toi, tu payes moi. Qui te paye? Il te paye en vertu de quoi? Tu m'as fait dépasser l'énergie. Tu sais combien l'énergie d'un homme coûte? Non, dis-moi. Tu sais combien l'énergie d'un homme coûte? Bouge avec ça. Qui t'a je t'ai appelé. Hein? Je ne t'ai pas appelé. Quand tu es venu là, tu es venu seul. Tu es venu seul. L'énergie. C'est moi qui t'ai appelé. Tu sais combien un kilo joule? Hein? Ça coûte? Paye moi aussi. Qui te paye? Tu me payes pas. Je te paye. Bon, ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas aussi. Tu es venu seul, je t'ai pas appelé. Tu me connais pas, hein? Tu te connais? Tu me connais pas. Toi-même, tu ne connais pas les fiétons. Ah tu bon? As compris? Tu ne connais même pas les fiétons. Renseigne-toi bien. Les fiétons ont fait quoi? Les malhonnêtes. On ne blague pas l'énergie, les gars, pas ça. Tu comprends un peu? Allô? Oui, j'arrive. Oh. Donc, tu as deux clients? Oui. Il t'a raté. Normalement, j'ai été enceinte. Enceinte? Oui, j'ai été enceinte. Tu as vu, on enceinte une bordel. Tu as vu, on enceinte une bordel avec ton sperme lololo là. Ah bon? Regarde celui-là. On m'appelle ici l'enceinte internationale. Tu comprends, non? J'enceinte les blanches, j'enceinte les noirs, même les ngendous, j'enceinte. Tu t'es raté, normalement, le coup là, je vais t'enceinter. Quand les bordels là tombent enceinte, elles tombent parce qu'elles-mêmes elles ont y'a voulu. Je vois peut-être la sorcellerie. Ne me commande même pas les oui, choses que tu vois sur la télévision. Oui, je t'ai dit que j'arrive. Oh, c'est comment? Ne me commande même pas les choses que tu vois sur la télévision. Ouais, là. Je m'en fous. Donne-moi mon argent, je pars. Je ne te connais pas. Qui ne te connais pas? Donc tu ne me connais pas. Renseigne-toi qui est son bas. Renseigne-toi qui est son bas. Je ne te connais pas. Ça veut dire quoi? Je te paye combien? 25 000. Hey! 1 minute, 5 000. Les 5 minutes font combien? J'ai moi, il veut partir. 25 000 en vertu de quoi? 25 000 en vertu de quoi? En vertu de quoi? Tu es je suis une gobe de luxe. Regarde, gobe de luxe que je suis. Tu as compris, non? Tu vas payer mes 25 000. Quand tu le vois, ou pas. Une gobe de luxe, combien de luxe ici en brousse? On a frappé une gobe de luxe en brousse. Dis-moi un peu. Une gobe de luxe qu'on rencontre. Il y a un vieux bar là-bas. Je veux que j'entends, vieux bar. Moi, tu donnes rien, même pas 5 francs. Ne m'attends. Tu vois? Ah, laisse, tu as rien fait. Tu blagues avec moi. Tu n'as rien fait, ton bar, t'es dit. Il te donne rien. Il te donne rien. J'ai pitié de toi. Un truc que tu as à moi aussi, tu te payes quoi? On ne paye rien. J'ai pitié de toi. Tu es pitié de moi. Tu me fais pitié.
Va me mettre ça là-bas. Il faut te laver. Ne paye pas. Il faut te laver. J'ai pitié de toi. Hein. T'es corocoro. J'ai pitié. Même MS50, il ne me parle. J'ai pitié. MS50, il ne même pas. Elle me parle. En tout cas, ne paye pas. Moi, il ne m'inquiète même pas. Tu as compris? Je suis séropositif. Quoi? Je suis séropositif. Va à l'hôpital. Attends, Somba. C'est pas parce que. Somba de quoi? Somba de quoi? Va à l'hôpital. C'est pas parce que je te dois de l'argent. C'est pas parce que tu me demandes l'argent que tu vas commencer à prendre les prétextes. Que tu vas me faire ce chantage. L'argent là, tu vas partir dépenser ça à l'hôpital fois 1000. Dis-moi que tu t'as fait mentir. Non, parce que là, je suis prêt. Je vais te payer. Dis-moi que tu t'as fait mentir. Je suis en train de mentir. Je suis très sérieuse dans mes dits. Très sérieux, tu as compris non? Vous aimez souvent entendre que ho ho ho, je mange, je ne paye pas, je mange, je ne paye pas. Tu as compris? Tu es séropositif et tu me laisses faire sans préservatif. Et puis quoi, mais tu étais pressé non? Et puis je me vengeais aussi, tu as compris? Tu as vu, chaque fois que tu viens chez mes soeurs là-bas, tu prends leurs choses, tu ne manges, tu ne payes pas, tu prends tes pieds, tu pars. Chaque jour. Elles viennent me dire, quand elles viennent maintenant me dire, ensemble donc, on a trouvé une solution et la solution c'était ça. Et tu es tombé dedans. Ah, donc, il a dit, je ne te crois pas. Okay, c'est ça que tu veux me changer. Tu vois le papier ici. Chaque fois, je marche toujours avec pour prouver. Pour prouver. Parce que c'est ce que tu veux dire avec la bouche. Voilà ça. Voilà. Continue à aller. Hey, attention, Soma. Tu sais, c'est au positif, au vrai. Continue. Soma, tu vas tuer. Il vient là-bas, il ne demande même pas là-bas les prix des choses. Il commence seulement à dire, il est dans le bassin. Il m'a raillé. Il dit carrément qu'il m'a raté. Hey, Soma, tu vas tuer. Tu me laisses. Et tu me laisses plonger comme ça sans même préservatif. Hey, ma vie est où est? Hey, adieu, tiens, ma maman, y'a, Laura, oh, venez, oh. Venez, oh. Hey. Hey, Zoma, il fallait me dire non. Hey. Tu m'as envoyé, oh, adieu, tiens, ma maman, y'a, oh. Hey, il faut mes 5 enfants. Hey, que vais-je faire? Hey. Tu m'as envoyé, hey. Hello mes Parisiens, c'est Bojico de Paris comme vous le constatez. Alors je suis comme ça avec ma new Coutelina à Essomba Merveille. Voilà ma Parisienne, ma Lago Galaxy, Lago des Efforts. Ok, je lance comme ça un appel à ma communauté, aux Paris de ma communauté, pour ceux qui ont l'habitude de parier les matchs. Voilà, comme nous sommes en période de la Liga, voilà. Et téléchargez l'application Xbet et utilisez mon code promo X Paris en majuscule pour bénéficier de 200% de bonus après votre première mise. Donc n'hésitez pas. On répète encore, le code promo c'est X Paris en majuscule. Voilà. Alors le code promo c'est X Paris en majuscule. Ciao.